Alors, c'est Sonia, alias Vuletteur sur Instagram et tout pareil sur YouTube. Je suis super contente de vous retrouver pour cette petite vidéo blabla. On va parler patron. Le froid est arrivé très très vite. Du coup, j'ai eu envie de me coudre des hauts top qui soient rapides à coudre, bah, en maille, voilà, mais qui soient bureau compatibles. Parce que bon, la maille, c'est souvent. Ça a souvent une connotation un peu sportswear et personnellement, du coup, je ne vais pas me permettre d'arriver sur vêtements en jogging. Voilà. Donc, ce sont tous des patrons qui sont bureau compatibles et on va les découvrir ensemble. Je vais vous donner les informations si éventuellement ça peut vous intéresser pour coudre une petite garde-robe pour les jours plus froids, qui soit facile, rapide et efficace. C'est parti, on démarre. Les patrons dont je vais vous parler en premier, donc c'est le patron zèbre et lion de la marque I Am Pattern. Donc, ce sont deux versions de sweat différents. Il y en a un qui est bouffant au niveau des épaules, l'autre au niveau du poignet. Donc c'est un patron qui est réalisable dans un tissu sweat. Il est proposé du 36 au 46 au prix de 9,57 € en version PDF. Donc en sachant que quand vous prenez la version PDF, vous avez les deux modèles. Donc les deux modèles sont inclus. Pour 9,57 €, vous avez lion plus zèbre. En version pochette, il est à 14,50 €. Là, vous n'aurez que la version commandée. Les marges sont incluses et on vous demandera donc 1,70 m pour le patron zèbre et 1,60 m pour le patron lion. Voilà, donc je pense que c'est des petits patrons qui, selon le tissu utilisé, même si vous prenez de l'uni, qui peuvent facilement se porter avec un pantalon. À pince, une jolie jupe, des petits talons, voilà. C'est simple et efficace. Ensuite, j'ai choisi le patron granit de Maison Fauve. Donc, c'est un patron de sweat avec. Il est un petit peu loose, mais il a les manches qui sont un petit peu travaillées. Donc, je pense que selon le tissu qu'on va utiliser pour le coudre, c'est pareil, il peut très bien se porter avec un pantalon chic, une jupe. Un short, des collants, il n'y a pas de problème. Donc, il est proposé du 36 au 56. Le patron PDF est au prix de 11,90 €. Il faut rajouter 17,90 € pour la pochette. Les marges sont incluses et il vous faudra de 1,50 m à 2 m pour pouvoir le coudre. Ensuite, j'ai trouvé deux patrons chez Anna Rose Pattern, dont un que j'ai déjà cousu. Il s'agit de la blouse Nelia. Elle a également le sweat Tétis. Donc je vous parle d'abord de Nelia. Donc Nelia est un sweat qui est assez simple sur le devant. Tout le travail est un peu dans le dos avec un décolleté V. Et on a une espèce d'accordéon sur le bas du dos qui peut être fait dans un tissu contrastant. Vous utilisez une matière extensible pour le corps et pour la petite partie accordéon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc une broderie anglaise, une dentelle, faire ressortir un petit peu. Donc tout à fait bureau compatible. Il est proposé du 34 au 46 au prix de 9,50 € pour la version PDF. Pas de version pochette sur le site. Les marges sont incluses. Le petit plus, je sais que les patrons PDF, il n'y a pas de marge à couper chez Anna Rose Pattern. On les pose les uns à côté des autres, ça fait gagner du temps. Donc c'est bien de le préciser. Et pour coudre du coup ce pull, il vous faudra 1,50 m de tissu. Pour Tétis, donc pareil, c'est un petit sweat assez traditionnel avec une petite ouverture dans le dos. Toujours du 34 au 52, pas de version pochette, 10,50 € pour la version PDF, les marges sont incluses et il faudra de 1,70 m à 1,80 m pour coudre ce modèle. Maintenant, je vais vous parler du pull Charlène de la Maison Victor, qui est disponible gratuitement sur le site internet Avantage Femmes. Je vous remettrai le lien dans la barre de description. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Il suffit de s'ouvrir un compte et régulièrement, ils rajoutent des nouveaux patrons, enfin, des nouveaux anciens patrons des magazines La Maison Victor, mis à disposition gratuitement et téléchargeable en version PDF sur ce site internet. Donc, il est gratuit. J'aime beaucoup l'encolure assez droite et bateau. Les bracelets de manches qui sont assez hauts aussi. J'aime beaucoup le style. Il a l'air facile à coudre. Il est proposé donc de la taille 30 à la taille 48.
Le prix, ben, il est gratuit. Par contre, les marges ne sont pas incluses et il vous faudra de 1 mètre à 1,65 m de tissu suivant la taille que vous allez coudre. Pour rester chez la maison Victor, donc toujours en patron gratuit mis à disposition sur le site Avantage Femme, Théa. Donc Théa, à la base, c'est une robe que j'avais déjà cousue, que j'ai pas aimée du tout en robe. La longueur était un peu bâtarde, la forme aussi. Par contre, en version top, c'est carrément canon. Donc il y a un décolleté V, il y a des manches un peu froncées. Il est assez cintré, donc il est plutôt joli au porté. Pareil, c'est quelque chose que vous pouvez porter en bureau compatible sans aucun problème. Au niveau des tailles pour Théa, donc du 34 au 56, il est gratuit. Sur celui-ci, les marges sont comprises. Vous verrez sur le patron PDF, la maison Victor, vous avez deux tracés, le tracé de la taille et le tracé de la taille avec les marges. Voilà. Et pour coudre ce modèle, alors attendez, parce que du coup, ce qui était donné, c'était pour la version robe. Je pense que 1,50 m, ce sera largement suffisant. Voilà pour les patrons, la maison Victor. Ensuite, on passe chez l'usine à bulles. Elle a le Sweet Lotus qui sort un petit peu du commun avec des petits volants, une taille très cintrée et une basque sur le bas. C'est aussi sympa et féminin. Voilà, j'ai déjà cousu des patrons d'usine à bulles. Je sais que tout tombe très bien. Les explications sont toujours parfaites. Honnêtement, je crois que c'est une des seules marques de patrons où quand j'ai cousu, je ne me suis pas demandé, même en étant toute débutante, hein, parce que ça fait partie des premières marques que j'ai cousues. On se demande pas combien on doit coudre, tout est détaillé, j'ai trouvé ça vraiment top. Donc ces patrons, donc le Lotus est proposé du 34 au 52, il est au prix de 9,70€ au format PDF, il n'y a pas de format pochette sur son site. Les marges sont incluses et il vous faudra de 1,25 m à 1,55 m pour coudre ce modèle. Ensuite, je vous parle d'un pull, donc c'est un pull qui peut être fait en maille, en chaîne et drame et en version robe également. Donc toutes ces versions-là sont incluses dans le patron. Il s'agit du pull Chacha de la marque Bertina Paris, qui est proposé du 34 au 46 au tarif de 11,50€ pour le PDF. Donc vous avez deux fichiers PDF, vous en avez un en maille et un en chaîne et drame, donc les marges, l'aisance est adaptée selon votre taille. Les marges sont incluses et pour la version pull, il vous faudra 1,30 m de tissu. On passe au patron Fibre Mood. Donc on a le patron Alice que j'ai déjà cousu, qui est un sweat assez simple mais qui du coup est réversible. On peut porter le col rond devant et le V profond dans le dos ou inversement. Il est hyper facile à coudre. Il est proposé de la taille XS à triple XL. Il est au prix de 11,50€. Et oui, les patrons ont augmenté chez Fibre Mood. 11,50€ sur le site au format PDF. Donc, en sachant que quand vous prenez le format PDF, vous avez la possibilité d'avoir les calques et d'inclure les marges. Et au tarif de 14,95€ au format pochette. Donc, c'est pareil pour leur pochette. Vous avez la possibilité de choisir votre taille et si vous souhaitez avec ou sans marge. Voilà. Donc les marges sont incluses et il vous faudra de 1,15 m à 1,90 m suivant la taille que vous choisissez pour coudre ce modèle. Toujours chez Fibre Mood, on a le classique sweat Mabel, donc qui est proposé de la taille XS à triple XL au prix de 11,50€ toujours pour le PDF, 14,95€ pour la pochette. Les marges sont incluses si vous choisissez de les inclure et il vous faudra de 1,40 m à 2,25 m. De tissu. Donc en sachant que ce sweat est proposé en manche 3 quarts. Donc toujours chez Fibre Mood, il y a le sweat Clémence. Donc c'est le fameux sweat avec un montage de pliage au niveau de l'épaule pour donner une illusion d'épaulette. J'avais beaucoup aimé coudre ce sweat qui est très facile à coudre hein, malgré les apparences. Et je trouve que les explications Fibre Mood sont, enfin, pour ma part, sont toujours très bonnes. Voilà. Ce n'est que mon avis, cela n'engage que moi. Il est proposé de la taille XS à triple XL, toujours au tarif de 11,50€ pour la version PDF et 14,95€ pour la version pochette. Vous pouvez inclure les marges dans chacun des formats si vous le souhaitez. Et il vous faudra de 1,55 m à 2,05 m pour la couture de ce modèle.
Et je ne veux pas parler de petits hauts pour l'hiver sans parler de mon chouchou, le patron Sox, de patron Moi Je Couds, donc qui est en de multiples versions. Donc vous avez le col très haut, le col mi-haut, le petit col, la version crop, les manches bouffantes, la patte de boutonnage, un zip. Enfin, vous avez vraiment une multitude de versions proposées sur le patron. Toutes les pièces sont incluses dans le patron. Il faut savoir que si vous achetez le PDF, vous avez également la version fille. Donc, si vous avez une fille qui porte du 6 au 16 ans, et ben, elle pourra profiter de ce patron. Donc, il est proposé de la taille 34 à 52 et 6 au 16 ans pour la version fille, au prix, au tout petit prix de 8 euros sur le site internet de Patron Moi Je Couds, et 14,90 € pour la version pochette. Les marges sont comprises. Et suivant la version que vous allez choisir, il vous faudra de 1m40 à 1m70 pour coudre votre version. Ensuite, alors je vais vous parler d'un pull que je n'ai jamais cousu mais que j'ai trouvé très joli, qui propose aussi de multiples versions. Il s'agit du pull Monarch de Letty et Léa, qui est proposé de la taille XS à la taille triple XL. Au tarif de 10 euros en version PDF. Alors le petit truc en plus, c'est que du coup ce patron est mixte. Vous pouvez le coudre pour homme et pour femme selon les versions que vous pouvez choisir. Donc ça peut être pas mal si vous voulez coudre pour monsieur ou si vous avez un fils qui est grand. Voilà. Alors je ne peux pas vous dire si les marges sont incluses ou pas. Je l'ai pas cousu moi-même et c'était pas spécifié sur le site. Je l'achèterai au moment où je voudrais le coudre. Mais je pense qu'il fera partie de mes cousettes. Par contre, concernant le métrage, on vous demande 2 mètres de tissu pour coudre ce modèle. Ensuite, un classique également, c'est le pull Elora de Ennis Couture, Do and Smile. C'était la marque de ses patrons, qui est en vente sur Makerist toujours. Donc c'est un sweat avec un col V arrondi et des manches bouffantes sur le bas. Il est assez cintré, pareil, il vous dessine bien la taille. Même si vous n'en avez pas, parce que j'ai pas forcément une taille dessinée, mais il dessine la taille. Voilà. Il est proposé du 34 au 50, au tarif de 9,75 € en version PDF. Pas de fichier pochette. Les marges sont incluses et on vous demande 1,60 m pour coudre votre version. Je vais vous parler du patron Lou de Relève Studio que je viens d'assembler et de préparer, qui est prévu en couture ce soir. Donc c'est un top avec un col qui se retourne sur les épaules, donc épaules un peu dégagées. Vous avez plusieurs versions, pareil, sans col, avec un petit, un grand, en version courte, en version robe courte, en version robe longue. Voilà, c'est un beau patron que j'ai envie de tester, que je vais coudre ce soir d'ailleurs, donc vous aurez peut-être un petit retour bientôt. Donc, Eve Morin nous propose ce patron du 32 au 52, au petit prix de 5 euros en format PDF. Ne fait pas les patrons pochettes, les marges sont incluses, et pour coudre ce modèle, il vous faudra de 1m10 à 2m50 suivant la taille et la version, le robe, etc., que vous souhaitez faire. Alors il y en a un que je vais forcément me faire parce que bah, déjà j'ai eu un gros coup de cœur quand il est sorti, mais en plus j'ai plein de versions en tête, notamment des Cézanne Mike. Désolée pour les anti-Cézanne, anti-tout, mais voilà, j'aime beaucoup certains modèles Cézanne. Donc celui-ci, je vous mettrai un petit encart pour vous montrer duquel je parle. Et je vous parle du patron Silver Star, des Bobbin Patterns, donc, qui est proposé de la taille 34 à 56. Au tarif de 9,99 € au format PDF et 14 € au format pochette. Les marges sont incluses et pour coudre ce modèle, il vous faudra de 2 mètres à 2,50 m, une maille assez stretch pour être à l'aise dedans, notamment pour la bande du bas. Ouais, j'ai très très envie de me faire une version maille tricotée de ce patron. Voilà. Ensuite, on va passer à la marque L'Atelier des Premières. Donc, L'Atelier des Premières, j'ai bien aimé le sweat Celia avec des manches, avec une emmanchure assez basse et une manche très bouffante, qu'elle propose aussi en version robe. Donc, le sweat Celia est proposé du 34 au 50.
au tarif de 10,90€ pour la version PDF et de 17,90€ pour la version pochette. Les marges sont incluses et il vous faudra de 1,50 m à 2 m de tissu pour coudre ce modèle. Et je reviens sur la marque de Patron Moi Je Couds. Il y a un pull qu'elle avait mis à disposition gratuitement quand elle a sorti le patron. C'est le pull Illico, qui est super rapide à coudre. Il a un rendu hyper efficace. J'en ai plus une version aussi. Donc il est proposé du 34 au 52 au prix de 8€ pour la version PDF sur son site internet et au format pochette. 14,90€. Donc les marges sont comprises et pour coudre le pull, on vous demande de 1,40 m à 1,80 m suivant la taille que vous allez coudre. Non mais recoucou quoi, j'hallucine, j'interviens en plein milieu, donc oui ça a peut-être changé autour, il y a moins de luminosité. Je suis en train de faire le montage de ma vidéo et je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler d'un de mes chouchous également. C'est le sweat Honoré de ma petite fabrique. J'adore ce sweat, j'ai acheté le patron, je l'ai préparé, il est prêt. Enfin la plupart des patrons dont je vous ai parlé en fait ils sont prêts, hein. Ils sont imprimés, ils sont découpés. Il me reste à trouver le tissu et à les découper, donc vous les verrez très certainement bientôt dans un bilan couture. Mais celui-ci j'avais oublié de le mettre. De vous en parler tout à l'heure, il n'est pas sur ma liste. Donc on parle du patron de ma petite fabrique. Honoré, qui est pareil, réalisable en plusieurs versions, dont une version avec les épaulettes, et ça c'est ma version préférée. Voilà, donc il est proposé de la taille 34 à la taille 48, au tarif de 12€ pour la version PDF et à 19,50€ pour la version pochette. Les marges sont incluses et pour le coudre, il vous faudra de 1,50 m à 2 m de tissu, voire 2,50 m pour une version large, robe. En fait, c'est un patron qui se décline en chemise, robe, sweat, blouse. Donc, vous avez l'embarras du choix et vous avez un petit sweat sympa qui ne fait pas sportswear. Voilà, qui se porte aisément pour aller au travail. Et c'est exactement ce que je cherchais. Voilà, donc c'est les patrons que j'ai relevés, que je trouvais rapides, faciles à coudre et en maille qui peuvent tenir chaud, voilà, mais qui soient bureau compatibles. Donc si vous pensez à d'autres modèles, surtout n'hésitez pas à les citer dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir aller découvrir de nouveaux modèles et en rajouter à ma to-do list, on n'en a jamais assez, oui, c'est comme ça. Je vous mets tous les liens des patrons dont je vous ai parlé également dans la barre d'informations. N'hésitez pas à appuyer sur le petit plus pour avoir toutes les informations. Les liens ne sont pas affiliés, c'est juste pour vous rendre service que vous puissiez les trouver plus rapidement. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu avoir quelques idées, quelques découvertes, pourquoi pas. N'hésitez pas à me laisser un petit mot sous la vidéo. Merci en tout cas à toutes celles qui me suivent, qui sont abonnées. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau bilan couture. En attendant, portez-vous bien. Des gros bisous. Une belle journée, soirée, week-end, semaine, comme vous voulez. Ciao, ciao!